Mais pourquoi tu... Ah oui, d'accord. Bonjour. Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour un unboxing. En compagnie de... De qui? Oui, bonsoir, Mickaël Derian et de la famille BRZ Bastion. La Bastion. Bref, oui, madame a pris Harry Potter. Alors attention. Alors, parce qu'il y a eu un petit... Vous allez bien? Oui, on espère que vous allez bien. Nous... Déjà. Ça va toi, mon cœur? Parfait. Parfait. Oh, top. Tu peux me permettre, tu pourrais avoir l'image, moi, parce que c'est dur de me boxer. Non, 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 on te permet rien du tout. Tiens, mets-lui l'image. Alors attends, comment on fait pour lui mettre l'image? Comme ça. Ah ouais, mais là, il a maté. Alors, là, je vois monsieur Lopez. Oh. Vous constaterez qu'il est toujours aussi barbu. Attention, en général, quand on laisse un scalpel dans les mains d'une gonzesse, c'est pas bon. Et j'ai peur, hein, y a ma jambe dessous en plus. Oh, déjà qu'elle a morflé la jambe. Tu m'étonnes. Oh. C'est un colis piégé qui nous provient de... Tac, tic, tac. Simon. Oh, Simon. Simon, t'as fermé... il a fait... En fait, il a fait deux colis en un colis, ouais, je pense. Alors, vous constaterez que ce n'est pas une blonde, mais une brune qui essaie d'ouvrir un colis. Mais parfois, on peut avoir des doutes quand même, hein, quand on la connaît un peu. Ah ouais, mais non, c'est ouais. Pas grave, c'est pas grave. Moi-même qui la pratique... je doute depuis un moment, je doute pas. Regarde. Là, ils sont en train de me trimballer de partout, je vous explique pas, j'ai la gerbe. Et tout le monde a l'habitude en même temps. Ouais. Fais gaffe à tes doigts. Oi, oui. Oi. C'est quoi que je vois là sur les grands shooter? C'est... Attends. Oui, parce que oui, non, c'est pas shooté, c'est comme ça. C'est... Ouais. Ah oui, c'est vrai que le colis, c'est particulier. C'est une extension. La vidéo, elle va durer 4 heures juste pour l'ouverture du truc. Comment faire un colis avec deux cartons? Demandez à Simon. Ah, attention. Ah oui, j'ai compris le truc là. Oh putain. Ça y est. Ah bon? Ça y est, on y est. Ah bon? Ah. Ah oui, victoire. Non, pas encore tout de suite. Bon, ben, nous, on va aller... Alors attends, parce que là... Oh là là. Je te sens un petit peu cavalière avec tes doigts là. Non, regarde. Hop là, j'ai tout compris. Ah bon? Voilà, et voilà. Waouh, trop forte ma femme. Voilà. Attends, il perd la tête, Harry? Non, c'est pas Harry qui perd la tête. J'ai perdu la tête. Oh non. Non. Vous l'avez ouvert, en fait, pas du tout. Ta-da. Et si... Voilà. Et vous avez vu. Et... Voilà, c'est le mec qui a vu. Et voilà. Très bien emballé pour Simon. Oh là là, la carrosserie de Trunky. Oh, la Bastion. Donc, on a une carrosserie de Trunky. Voilà, bon bah écoutez, merci. C'est et puis, modèle. Au revoir. Trunky. C'est une façon de dire, je sais pas trop. Ouais, en gros, ouais, mais Trunky. Ah, ma tabulette, la bah, tabulette, elle est derrière toi, la tabulette. Je vais vous dire, continue chérie. Alors donc, ah, et puis donc... C'est donc Simon, qu'est-ce qu'il voulait Simon, tu te rappelles? C'est voilà, il voulait une peinture. Ouais. Et à travers un design de peinture. Ouais. Qui faisait que ça faisait des couleurs. Parce qu'il... Donc, que ça faisait une peinture. Voilà. Ah oui, il nous envoie le modèle en photo, mais il nous dit pas ce que c'est. Donc c'est un modèle. Non, mais Simon, ça va pas du tout, ça. Ah. Ah si. Oui, ah. Donc. Là. Oui. On y est. Oui. Donc, il veut du jaune fluo. Oui, mais... Il veut du... Bah, s'il veut du jaune fluo, c'est uni, hein. Donc, et ben si celui qui a trouvé le modèle de cette carrosserie a gagné 50 euros. Bah voilà, c'est juste un Trunky 1.8. Il nous dit pas la marque. À mon avis, c'est la carrosserie
T'as vu? Devant, on dirait bien le Zworks, hein. Ouais, j'en suis quasiment sûr. Pas sûr à 100% quand même. Mais si c'est sûr à 100%, donc je te donne mon PayPal, c'est M. C'est mlarnaque.com. Enfin, remarque, ceci dit, je peux largement te faire un don de 50 euros, sachant que Simon a payé quand même 8000 euros pour cette peinture exceptionnelle qu'il aura. Ah oui, quand même, on est dans la Ah oui. Bah, écoute, on est dans le luxe Ricard, hein. Tout à fait. Et donc, actuellement, je ne sais pas si vous avez vu, on est en train d'annoncer... Ah, donc, j'ai une carrosserie de techno ET voilà. 410.2. Je savais que c'était techno. Et ben voilà. On le savait. Ah ben, j'ai perdu. Donc, tu me donnes 50 balles. Ah non, c'était pas ça, le deal. Ah bon? Oh merde. Donc, Simon, on a reçu ta carrosserie techno. On va s'en occuper, pas tout de suite, parce qu'il y a d'autres choses à faire, on a d'autres choses à faire avant, mais elle est bien là, elle est arrivée. Madame fait oui. Ouais, je cherchais les couleurs. Mais ah d'accord, bon elle cherche les couleurs, mais donc tout va bien, elle est arrivée. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actu actuellement sur Facebook, on est en train d'annoncer donc le tout nouveau partenariat qui a été mis en place. Donc, bah, grâce à Mickaël Danarian, grâce à Cyril, que je tiens à remercier aussi énormément. Voilà, toute la team BRZ qui s'est mobilisée pour avoir ce tout nouveau partenariat. Mais qui ne sera pas dévoilé de suite. Mais qui ne sera pas dévoilé de suite. Donc, et on... donc, le partenaire est... Vous aimeriez savoir. Et Knacki. C'est Wonderbra. Ouais. On m'a suggéré Wonderbra, Intermarché. On m'a suggéré qui encore? Erta. Hein. Kinder, oui, aussi. Non, il a déjà sa femme. C'est vrai. Et donc, n'hésitez pas à aller sur Facebook, à lâcher vos idées. Ah bon ? Alors, on a quand même une indice que tu as dévoilé, c'est que ça a été cité parmi tous les noms. Oui. Tout à fait. Il y en a une personne qui a la bonne réponse. Moi, j'ai envie de mettre un petit piquant là-dedans. J'ai envie de vous faire gagner quelque chose. Celui qui trouvera la bonne réponse sur Facebook, et ben on peut clairement dire celui qui a trouvé, puisque ça a été cité. Ouais, c'est un peu compliqué, mais on fera un tirage au sort. Bonnes réponses. Tout à fait. S'il y a plusieurs bonnes réponses, bien vu, chérie. D'accord. Très bien vu. On pourra faire un petit tirage au sort. Sinon, effectivement, ce sera. Je pourrais participer à ce tirage au sort. Non, toi, tu participes à rien du tout. Arrête. C'est une blague, bien sûr. Donc voilà, donc n'hésitez pas, vous nous rejoignez donc sur la page Facebook donc de BRZ RC Passion. Vous allez voir la petite publication, voilà, vous n'hésitez pas à mettre ce que vous voulez. Hein. On nous avait proposé aussi Jackie et Michel. Voilà, on nous a proposé plein de choses. Oui, Denis. Ben écoute, on va pouvoir présenter après la transition Jackie Michel, on va présenter ta carrosserie. Une transition qui n'a rien à voir, mais. Non, elle est juste là. Tout à fait. La passion. Attends. On peut avoir le premier G aussi. Donc voici Denis. Alors je sais que sur les photos ça ressort un petit peu noir. Mais voilà, je sais que tu voulais du gris, donc dedans il y a des petits effets, chose que tu verras de visu, parce que c'est vrai que en photo, enfin que ce soit en photo ou en vidéo ou en vrai, ça n'a rien à voir, c'est vrai, donc tu verras. Tu verras quand elle sera entre tes mains. Donc on a mis pas mal de petits effets, que ce soit dans le blanc, le gris, le gris plus foncé à l'intérieur. Tu as aussi différents. Orange à l'intérieur ici qui part donc du plus foncé au plus clair, donc voilà, on a respecté je pense ce que tu voulais, le cahier des charges tout à fait. Donc elle est là, elle est fraîchement peinte, donc on va attendre tranquillement que ça sèche et puis on va te mettre les protections adéquates à l'intérieur et tu la recevras prête à l'emploi. Je vois des carreaux au fond là-bas aussi, on peut les voir? Des carreaux au fond là-bas, oui, tout à fait. On va les déjà présenter, celle-ci. Eh non, pas celle de Stéphane. Non. Mais on va tout faire. Bah oui. On va tout faire, mais. Bon. Et là, je suis, hein. Bon, Simon, on te met sur le côté, t'inquiète pas, t'es toujours parmi nous. Merci, chérie.
Oui, c'est vrai. Oui, mais toutes, oui, c'est vrai. Ah si, mais on a fait une série. Pas les carrosseries. Oui, mais pas. Oui, pas la dernière. Pas la dernière de RC Mumuse. Parce que on avait présenté. Mais que des culaires. C'est très coloré. Tout à fait. Plaisir. Donc là, nous avons. Donc, madame nous a mis ça là-dessus, sacrilège, ça se fait pas. Comme on dit chez nous, c'est Stafoula. Donc là, on a les deux carrosseries de Stéphane. Donc, carrosserie BT Design pour un Kyosho MP10. Très, très dur à trouver en ce moment, ces carrosseries d'ailleurs. Donc, on a repris donc, le design BT et on a adapté donc, les couleurs en fonction de Stéphane, ce qu'il voulait. Donc, c'est-à-dire le orange, le jaune fluo et le bleu avec du noir. Donc voilà, les deux identiques parce qu'ils roulent en nitro et en élec. Donc voilà, tu as les deux carrosseries. Mais oui, mais pourquoi pas? Voilà, c'est très joli. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, aïe, ça va peut-être faire un petit peu trop coloré. Et ben non. Franchement, ça me déplaît, mais alors, mais pas du tout. C'est pas vilain. Une fois de plus, entre ce qu'on a à l'image et en vrai, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Les couleurs ressortent vraiment différemment. Il faut garder ça à l'esprit. Et là, on a la dernière donc de Monsieur Mike Hoffman, RC Mumuse. Donc voilà, la petite carreau. Aux couleurs du garage. Tout à fait. Aux couleurs du garage pour le MP10 aussi, je crois, si je raconte pas de conneries. Donc voilà, qui a été effectué pour lui, donc avec les petits traits très fins, avec des petits ombrages. En ce moment, ce qu'on essaie de travailler un maximum, justement, c'est les ombrages. Les différents dégradés, chose qu'on peut retrouver là-dedans. Donc là, on pourrait croire que c'est basique, mais en fait, non. Là-dedans, juste pour faire ça, en fait, on a trois couleurs. Donc voilà. Pareil pour celle-ci. Pour faire les dégradés, les ombrages, on a trois couleurs. Donc voilà. Bah c'est bon, j'ai bientôt un maquilleur avant d'aller au boulot le matin. C'est magnifique. Et donc niveau actu, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, Monsieur Michael Derderion? À niveau actu, on est malheureusement tous confinés. Oui. C'est vrai que c'est frustrant parce qu'on peut pas aller rouler. Et j'aurais pourtant plein de choses à essayer. Puisque voilà, j'ai reçu dernièrement ma GT8 X-Ray, la dernière version, XE.3. Donc d'ailleurs, je remercie bien sûr tous mes sponsors, Egua Racing, super équipe, hein, Yannick et son équipe avec Arnaud et Maxime. Hein, vraiment, je les remercie. Je remercie bien sûr X-Ray également et Martin Midi et toute son équipe hein, pour m'avoir fait confiance pour ce nouveau challenge. On espère qu'il pourra aboutir en 2021. Dans l'idée, c'est de faire le championnat de France en totalité, donc sur la GT8 en électrique, et aussi d'aller peut-être avec la famille BRZ à l'Ostalo au championnat d'Europe. Tout à fait. Qu'on ait notre stand de peinture là-bas. Voilà, et là, j'ai pas mal de tests à faire, bah, déjà pour régler la voiture, et aussi justement des tests de carrosserie. Où faut que je détermine un peu quel modèle je vais choisir pour rouler en compétition. Et une fois qu'on l'aura déterminé, notre cher et tendre peintre adoré, Monsieur Béarzé d'Arcipation, pourra s'exprimer pleinement. Oui, la passion. Je remercie également, j'ai oublié de le dire, pour ce nouveau challenge très important, Béa Models, qui va m'aider notamment via les pneus PMT. Oui, Béa. Voilà, d'ailleurs, on te fait un coucou, Béa. Sur la partie pneumatique. On lui fait un petit coucou, n'hésitez pas à aller sur son site. Ouais, Béa Models, voilà, si vous avez des renseignements à avoir sur la partie 1/5 ou GT8, n'hésitez pas à solliciter Béa, qui est l'un des meilleurs au monde, hein, et qui vraiment pourra, de manière très sympathique, vous aiguiller par rapport à ça, avec de très beaux produits, ce qui se fait de mieux pour la GT8 sur le plan électronique, sur le plan pneu. Il a aussi un très beau châssis, hein, la GT8 fonctionne très bien. Oui. Donc voilà.
Ben, on va dire que BA, c'était le seul pour le moment, à mon goût, qui pouvait présenter une GT8 à la hauteur des 1/5, c'est-à-dire avec de l'aluminium, vraiment quelque chose de vraiment fini et de très très beau. Donc Oui, n'hésitez parce qu'ils sont pas. partis de zéro en fait sur la Oui. voiture. Ils sont pas, c'est pas une adaptation du TT comme on peut le voir sur d'autres modèles. Il serait vraiment adapté du XD8 à la GT8. Lui, effectivement, est parti d'une feuille blanche pour créer la Genus GTC8. Voilà. Donc n'hésitez pas, Béa, on te fait un énorme coucou et merci pour Mickaël de le soutenir pour ce tout nouveau challenge. On espère qu'il va nous sortir de jolis résultats. Et on n'a pas de doute avec lui, avec notre pilote. J'espère en tout cas déjà au niveau français, et puis ensuite on ira se frotter aux meilleurs européens et mondiaux, je pense, qui seront à l'Ostalo. De ce que j'ai pu comprendre, il y aura notamment Mazeo Alessio, champion du monde à 5e, il y aura également David Ongaro, champion du monde TT, qui sera là. Donc il y aura du très très beau linge, mais bon, si on arrive préparé, Donc voilà, tout nouveau challenge, très très gros challenge. Donc ça voudrait dire que nous, on serait là-bas en tant que à la fois mécano pour Michael et en tant que peintre et carrossier. carrossier. Voilà, voilà, C'est bon voilà. là-bas. Alors, carrossier et RC, hein, si vous avez retenu les Oui, bien schémas. sûr, oui, à l'échelle Oui. 1, non, on fait pas de belles ou de portières pendant le On va prendre week-end, cours une semaine pour aller hein. Donc, Wally Walou, donc, eh ben, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook, à laisser vos commentaires pour le nouveau partenaire. Et puis on vous tiendra au courant des avancées donc, de Michael sur ses divers carreaux qu'il est en train de tester et celles qu'il aura retenues, lui. Et Et puis puis voilà. n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, vous voulez sur une GT8 de marque X-Ray, à venir me solliciter si vous avez des questions sur les réglages, etc. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Tout à fait. Je pense que c'est le mot de la fin. Ça me semble bien. Tout à fait. Donc, messieurs, un coucou. Ah oui, madame, elle a carrément clashé monsieur Michael. Tiens, Voilà, ping. j'ai été clashé par terre de manière Clac, très directe et violente. Voilà. Je n'ai pas envie. c'est fini. Allez, ciao. Casse-toi. On n'hésite pas non plus, on fait une bise à Monsieur RC Mumuse, à Yon RC, à RC Balade, à toute la famille Bravo RC. RC Balade pour ses 1000 abonnés récemment effectués. Tout à fait, pour son site d'ailleurs, Monsieur RC Balade à son site où il propose petit à petit pas mal de choses. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour. Voilà, c'est avec un grand plaisir qu'on lui fait de la pub, qu'on lui passe un petit coucou et qu'on le soutient. Et on fait une bise à tous. Sur ce. Ciao! Big up. Hey.